voyais une boule, des grandes boules, elles sont parties. Voilà, une bonne vingtaine. Allez, j'ai été un peu pessimiste. Elles sont entre 20 et 25 au départ. Voilà, elles sont parties quand même, elles sont parties quand même. Tambour battant pour jamais plus. Thank you.
voilà, ça arrive alors, hein. Elles sont encore dans un mouchoir. Dans un mouchoir, mais je pense que les deux premières, ont pris un petit avantage pour le titre et la médaille d'argent. Et dix en champ en tête, et une présence par le soir de la Rose. Ben Canard, 5e de l'Inspirfit et du 83. Très heureux de te compter, Sven Durand et ses camarades. Donc, je suis très heureux de me mettre sur la première place, mais qu'il a par équipe. Donc, club vainqueur. Il est cadet par équipe, bravo messieurs. Merci d'être restés pour recevoir cette coupe et toutes nos félicitations. Merci. Au départ, à l'arrivée, le menu complet. Et pendant ce temps-là, deuxième et troisième position, deux jeunes filles. J'avais eu le plaisir de récompenser il y a 15 jours à Champigny-sur-Marne, deux Val-de-Marnaise. Donc avec la troisième place de Alanis Robineau Fauvé de l'ACPJ. L'ACPJ, c'est bien sûr l'Athletic Club de Paris, Joinville. Mais nous, on les appelle toujours par leur acronyme. Bravo Alanis. Seconde place. Pour l'athlète de l'Aigle Rose qui avait été championne départementale du Val-de-Marne il y a 15 jours, Clara Le Soil, donc du Cal. On a le droit d'applaudir un peu. L'Aigle Rose. Applaudis un peu, réchauffez-vous, mesdames, messieurs. La gagnante, après un super. Toute la course était magnifique.
Et donc, dans les derniers décamètres, elle s'est détachée. C'est Evie Sanson de Neuilly-Plaisance. Et je vais aller les interviewer quand même, parce que j'ai commencé par Alanis. Alanis, gros retour là, dans les, à 1,5 km de l'arrivée, mais tu vas peut-être payer un petit peu sur la fin quand même. Oui. Ça s'est senti quand même. Dans les derniers kilomètres, tu ne pouvais plus ici. Mais parce que je crois que tu as un petit peu payé ce magnifique retour que tu as fait. Clara, moi j'espérais un peu qu'une balle de main allait gagner, même si la victoire des est magnifique. Tu n'as pas pu l'approcher dans les tout derniers mètres? Bah, je suis pas vraiment dans ce sprint, je crois que c'est senti à la fin aussi. Et bon, et puis Evie, magnifique, donc belle course tactique, et puis donc t'as fait ce qu'il fallait pour ajuster Clara dans les derniers mètres. Voilà, j'ai Ça a payé, bravo en tout cas. C'était une superbe course, hein, vraiment jusqu'au bout, on savait pas qui allait gagner. Voilà, donc Alanis, Clara, Evie, notre podium junior fille, bravo mesdemoiselles.